Bonjour à tous, c'est Camille de French Today. Et aujourd'hui, malheureusement, je me suis réveillée un petit peu malade. J'ai mal à la gorge, peut-être que vous l'entendez, je n'ai pas ma voix habituelle. J'ai un peu mal aux oreilles aussi, un peu mal au nez, je renifle. Enfin, c'est pas super. Et donc, je suis allée chez mon docteur ce matin. Et je me suis dit que c'était un bon sujet pour une vidéo pour vous expliquer ce qu'on fait quand on est malade en France. Donc, comme d'habitude, je vais faire cette vidéo live, c'est-à-dire sans préparation. Je n'ai pas préparé ce que je vais dire. Je vais utiliser un français moderne, un français de tous les jours. Et je vais un peu simplifier mes phrases en espérant que, comme ça, tout le monde va comprendre ce que je vais dire. Voilà. Donc là, je filme, je suis dans une pharmacie, vous voyez, donc je ne vais pas filmer les clients, je ne vais pas filmer les pharmaciens, juste, vous voyez, je suis dans une pharmacie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh bien, je suis allée chez mon médecin, ou plutôt, j'ai téléphoné à mon médecin pour prendre un rendez-vous. Et donc, quand je suis arrivée, je suis déjà allée voir la réceptionniste ou le réceptionniste à la réception. Ils m'ont demandé mon nom et après, je suis allée dans la salle d'attendre. Excusez-moi, dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, j'ai attendu donc que mon médecin soit disponible. Et puis, je suis passée dans son cabinet. On appelle le bureau d'un docteur, le bureau d'un médecin, le cabinet. Voilà. Dans le cabinet, le médecin m'a posé des questions et puis il m'a ausculté, encore un terme spécifique pour dire il a regardé mon corps, il a regardé mes oreilles, mon nez, ma gorge, voilà. Et puis nous avons parlé de mon historique et enfin, il a décidé d'un plan d'action et il m'a prescrit des médicaments. Pour ça, il m'a donné une ordonnance. Une ordonnance, c'est une feuille de papier qui va me permettre à la pharmacie d'obtenir des médicaments. Voilà. Parce que je suis française, j'ai ce qu'on appelle une carte vitale, qui est une carte d'assurance sociale, une carte de maladie, et qui me permet de payer très peu quand je vais chez le médecin. Mais ça, c'est important pour vous. Sachez que si vous allez en France, aller chez le médecin, ça ne coûte pas cher. Okay? Ça coûte peut-être 22 euros, quelque chose comme ça. Donc 22, 25 euros pour un médecin généraliste. Donc n'hésitez pas, si vous êtes malade en France, allez chez le médecin. Voilà. En plus de ma carte vitale, j'ai ce qu'on appelle une carte mutuelle, c'est-à-dire une assurance complémentaire qui va m'aider pour particulièrement les yeux, donc si j'ai besoin de lunettes, ou les frais dentaires aussi, qui sont très mal remboursés par la sécurité sociale. Alors attention, la sécurité sociale, c'est la partie du gouvernement qui s'occupe de la santé, ce n'est pas la même chose que Social Security, okay? C'est différent. Donc la sécurité sociale, c'est seulement la santé en France. Et nous avons de la chance en France parce que nous avons une très bonne protection de santé publique. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon ordonnance, eh bien, je suis allée à la pharmacie où j'ai pu parler à des pharmaciens et des pharmaciennes qui sont formidables. Et là aussi, encore une fois, quand vous allez en France, n'hésitez pas à aller parler à votre pharmacien ou votre pharmacienne, enfin un pharmacien, une pharmacienne. Ce sont vraiment des gens qui sont spécialisés. Ils ont fait beaucoup d'études, 6 ans, 8 ans d'études pour devenir pharmacien ou pharmacienne. Donc, vous pouvez les écouter, ils sont de bons conseils. Et si vous ne connaissez pas un docteur quand vous voyagez en France, ils vous donneront le nom d'un docteur local, ils vous donneront des médicaments, ils s'occuperont bien de vous. Bien sûr,
Si c'est une urgence, si vous êtes très malade, vous allez directement à l'hôpital, aux urgences, justement. Et avant ça, si c'est vraiment terrible, appelez le 112. Le 112, c'est le numéro qu'il faut appeler. Ils vont eux-mêmes décider à qui donner votre appel. Ça peut être une ambulance qui vient vous chercher. Ça peut être les pompiers aussi. En France, les pompiers agissent très souvent. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes malade en France, ce n'est pas drôle, mais ne vous inquiétez pas, on pourra bien s'occuper de vous. Voilà. Je vais mettre dans la description de la vidéo des liens sur des articles sur French Today, où vous aurez tout le vocabulaire nécessaire, en français et en anglais, bien sûr, et aussi un questionnaire médical que j'ai réalisé avec l'aide d'une infirmière et que j'ai fait après vérifier par des docteurs. Donc c'est vraiment un questionnaire médical très très sérieux, traduit en français et en anglais, et enregistré. Donc n'hésitez pas à partager cet article avec des professionnels de la médecine et aussi des organisations d'urgence comme Médecins Sans Frontières ou des choses comme ça. Je sais qu'il existe des questionnaires médicaux, anglais-espagnol, mais français-espagnol, c'est plus rare. Donc, sachez qu'il y en a un sur French Today et vous pouvez le partager, c'est gratuit, aucun problème. Voilà, donc j'espère que vous m'aurez comprise. S'il vous plaît, laissez-moi un message, ok? Dites-moi si vous me comprenez, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Si vous ne réagissez pas, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je lis tous les messages, je réponds aussi si vous me posez des questions. Donc, enfin, j'essaye, c'est pas toujours facile de suivre toutes les questions. Voilà, s'il vous plaît, réagissez, partagez cette vidéo, laissez-moi un petit cœur. Et pour la vidéo avec des sous-titres, je vous invite à suivre French Today sur YouTube. Sur YouTube, je peux mettre des sous-titres en français et en anglais. Voilà, j'espère que je ne vais pas tomber malade. J'espère que, en fait, c'est juste un petit mal de gorge. Ça arrive, spécialement pour moi. Ça m'arrive assez souvent. Et puis, je vous souhaite aussi de ne pas être malade quand vous irez en vacances en France et de ne pas avoir besoin d'utiliser cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt sur French Today. Au revoir.